Et voilà encore un modèle intéressant et rare sur base de C15, puisqu'il s'agit du camping car mascotte d'Autostar. Il a été produit à seulement une centaine d'exemplaires. Et on va aller voir l'intérieur tout à l'heure. Et vous verrez que la cellule en polyester exploite au maximum l'espace réduit. Et déjà, on voit qu'on accède à l'intérieur par une porte arrière à double battant. Et en fait, ce n'est ni plus ni moins que la version française sous licence du britannique Roma Home E-Top, qui est lancé lui en 86. Et là, vous avez une version ILO, c'est-à-dire que la hauteur est de seulement 1m93 contre 2,31 pour le E-Top. Et donc c'est plus pratique puisque le véhicule peut accéder au garage et au parking, mais on a aussi moins de prise au vent. Alors dans cette version ILO, le toit peut se lever et la hauteur atteint alors 2,14 m, ce qui permet de se tenir plus facilement debout à l'intérieur. Comme c'est anglais, c'est donc une conduite à droite. Et voilà l'intérieur. Et que ce soit pour le mascotte ou le Roma Home, on a l'aménagement d'un véritable camping-car avec un réchaud qui est caché ici sous la serviette. Et en dessous, vous avez un frigo. À gauche, on retrouve un évier. Et au-dessus du conducteur, il y a aussi un espace de rangement qui peut accueillir aussi un enfant. Et pour le couchage, les deux banquettes, une fois rapprochées, forment un lit double. Et ces C15 mascottes ou Roma Home devaient sans doute être parmi les plus petits camping-cars du marché de l'époque. Et même, sans doute, le sont-ils encore aujourd'hui.